je rappelle que tu es capitaine de l'équipe de France. Ma première question va concerner le groupe et ton état d'esprit. Comment tu abordes ce championnat du monde? Très bien, je pense qu'on est quand même voilà, habitué, on est confiante. On a une semaine pour se préparer, donc voilà, on peaufine un peu tous les détails. Puis il y a une bonne ambiance dans l'équipe qui se met en place. Puis voilà. Jouer en France, ça va apporter un plus, je suppose. Oui, on a déjà connu ça, on a déjà fait deux championnats du monde à la maison. C'est sûr que c'est quelque chose de spécial. Puis on a toujours bien été accueillis, que ce soit à Caen ou je me rappelle même plus où c'était, à Strasbourg, pardon. Et voilà, donc c'est sûr que nous, on sait que ça va nous pousser, puis ça va être un plus pour les matchs. Ça fait combien de saisons que tu es capitaine de l'équipe de France? Ça va faire 6 ans depuis 2009. Oui, c'est ça. On a connu les championnats du monde alors. Oui, bah, je pense que j'en suis à mon 8e à peu près. Non, t'as fait pareil. En termes de compétition ultime, la meilleure, c'est les Jeux Olympiques, je suppose. C'est envisageable dans les 3 ans à venir, hein. Bah oui, ça fait partie de nos objectifs, donc on travaille fort. On sait que voilà, la place est chère pour participer aux Jeux, mais c'est sûr que ça reste un de nos objectifs, puis on travaille depuis quelques années là-dessus. Concernant la médiatisation de ton sport, on assiste à plus de regards sur le football et le rugby. Est-ce que tu penses que le hockey féminin rentre aussi dans ce cadre ou malheureusement c'est encore un peu infime? Bah, c'est sûr qu'on est moins médiatisé là, mais je pense qu'on peut remarquer que depuis des années, on commence à prendre une place plus importante. Il y a vraiment des progrès qui ont été faits là-dessus. Nous, on est quand même fiers de ça aussi, qu'on s'intéresse de plus en plus à nous. Donc, c'est un plus, quoi. Et dernière question, as-tu un mot à adresser aux supporters qui viendront soutenir l'équipe de France à Rouen? Bah, j'espère que vous allez venir nombreux. Puis, je pense qu'on n'a jamais été déçus. Donc, voilà, on compte sur vous. Merci beaucoup.